Alors, d'abord, la présentation que vous venez de faire correspond très exactement au propos du livre. C'est-à-dire que sous couvert d'un impressionnisme de surface, d'une politique parfoucade, euh, on a le sentiment en réalité, et on a plus que le sentiment d'ailleurs, à l'analyse, c'est-à-dire à l'analyse méthodique, notamment des lois qui ont été votées. Donc, il fallait faire un travail de juriste, de recensement euh, au cœur du journal officiel. C'est pas. La lecture la plus amusante, euh, eh bien on se rend compte qu'il euh, y a euh, une pensée politique extrêmement sophistiquée, extrêmement construite, euh, avec euh, une idéologie de fond. Et cette idéologie, comme vous venez de le dire, euh, a surtout pour objectif d'acculturer la France, de la couper de ses racines, euh, ses racines qui sont d'ailleurs ni de droite ni de gauche, qui sont des racines républicaines, et qui sont nées, et qui ont poussé plutôt, dans deux périodes particulièrement fécondes de l'histoire de France. Euh, sur ce point-là, sur le point de la République, c'est-à-dire la période des lois Clémenceau 1905-1907, une période très importante, et puis la période des acquis. De l'après-guerre, la, de du, du programme du Conseil national de la résistance, qui là encore a structuré la République et les principes républicains tels que nous les connaissons aujourd'hui. Eh bien, ma thèse est qu'il y a eu une tentative de destruction méthodique et très savamment orchestrée, très minutieusement organisée de ces acquis et de, cette, de ces valeurs républicaines. L'objectif, c'était de remplacer cette, ces valeurs républicaines, ce pacte républicain, par d'autres valeurs, d'autres notions, d'autres concepts, d'autres référents culturels, essentiellement inspirés du néoconservatisme américain, euh, tel qu'on peut euh, l'envisager, tel qu'on peut le comprendre, ou tel que du moins il était conçu et compris. Et à mon avis, déjà, il y avait une erreur d'interprétation euh, par euh, l'équipe Sarkozy. Euh, et euh, cette euh, idéologie, on peut, la, on peut la résumer en disant, qu'il s'agit avant tout d'une idéologie pragmatique fondée sur la réussite personnelle fondée sur la démonstration de sa richesse euh, pécuniaire euh, bref très éloignée euh, de ce qu'est les valeurs de la république à la française et en quelque sorte si je devais résumer par une formule euh, je dirais que c'est un peu la revanche euh, des banquiers d'affaires euh, sur euh, l'aristocratie républicaine à la française. Ce que vous pointez là est exactement le sujet. Il y a un subterfuge, si j'osais, je dirais une entourloupe, pour prendre un mot à la mode, entre le programme pour lequel le candidat Sarkozy a été élu et le programme qu'il va appliquer. Parce que le candidat Sarkozy n'a jamais dit qu'il allait s'en prendre au fondement républicain de la France et encore moins aux bases du gaullisme. Il a même prétendu exactement le contraire. Et pourquoi euh, ça n'a pas, pas marché, précisément parce qu'il n'a pas appliqué son programme sur ce point. Et il faut quand même rappeler, parce qu'on a tendance à l'oublier, que euh, Nicolas Sarkozy, pendant toute la durée de son quinquennat, a perdu toutes les élections, y compris la déroute historique des sénatoriales. Ça veut bien dire que sa tentative de greffer une culture qui n'était pas la nôtre, de euh, promouvoir un programme qui n'est pas le programme gaulliste, n'a pas fonctionné et que quelque part, en dépit... D'un bombardement systématique dans les médias, euh, d'une omniprésence sur le terrain, d'une agitation permanente, ce que François Hollande avait appelé à l'époque le coup d'éclat permanent, dans une formule très référencée, euh, eh bien, en dépit de tout cela, euh, ça n'a pas marché parce que précisément, le projet politique caché, secret, euh, n'était pas acceptable par les Français. Euh, — Sacrée question. Euh, non, ce que je pense, c'est qu'aucun texte n'est tabou, y compris euh, les textes constitutionnels, qui doivent pouvoir être adaptés. Mais il faut être élu pour ça. Il faut mettre dans son programme politique que tel est le projet politique du candidat. C'est pas du tout euh, ce qui était dans la campagne de 2007 euh, et ce qui n'était pas non plus dans la campagne de 2012. Donc euh, c'est pas ce qui s'est produit et c'est pourtant ce qui a été tenté. D'où ce décalage et cette incompréhension croissante avec les Français Incompréhension croissante qui s'est euh, euh, néanmoins manifestée après avec un avec un petit temps de retard parce qu'au fond les premières atteintes au pacte républicain elles datent de 2007 mais il aura fallu l'affaire emblématique de la tentative de nomination de son fils euh, à l'EHPAD pour qu'à mon avis en tout cas c'est l'analyse que je fais le point de bascule dans le quinquennat et le point de non-retour c'est-à-dire mais au fond c'est pas du tout ce qu'on nous a vanté c'est pas euh, la, la politique du mérite c'est la politique népotique Euh, je crois que c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a euh, d'abord la volonté de déstabiliser. Euh, et le débat sur l'identité nationale, c'est le très bon exemple, c'est-à-dire que personne ne met en cause l'identité nationale, et puis tout d'un coup, on la met en débat. Donc si on la met en débat, on la fragilise. On fragilise l'identité nationale pour, au terme de ce débat, à parvenir à des solutions qui sont euh, dérisoires, c'est-à-dire euh, l'accrochage des... Euh, sur les bâtiments publics, c'est déjà le cas, et euh, l'affichage des la, de la déclarations des droits de l'homme dans les établissements scolaires, je crois. Je crois que c'était ça. Bon, euh, c'est déjà le cas également. Donc, un grand débat. Vous vous souvenez de ce traumatisme Ça a duré euh, six mois. Il euh, 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 y a eu toute l'amalgame avec l'immigration, euh, qui a été sciemment euh, orchestrée. Euh, donc, un grand débat pour ne parvenir à rien sur le plan concret. Alors, pourquoi un tel débat parce que derrière, il y a une volonté politique d'affaiblir quelque chose d'important qui est l'identité nationale à la française, dans laquelle les concepts républicains importants de ces deux périodes dont on parlait tout à l'heure sont évidemment une des composantes essentielles. Voilà, c'est le bon exemple de l'écran de fumée qui n'aboutira à rien, mais l'objectif réel, c'est euh, de, de fragiliser des concepts fondamentaux. L'autre exemple, c'est le débat sur la laïcité. Parce que le débat sur la laïcité, quand on nous dit tout d'un coup que le curé a plus à apprendre euh, aux enfants que l'instituteur, que c'est évidemment une, une attaque violente contre la laïcité républicaine à la française et contre l'école laïque de manière plus précise. Euh, on lance un pavé dans la mare, ça crée immédiatement des réactions, mais euh, de manière beaucoup plus discrète, on augmente le budget euh, des euh, instituts catholiques et on leur permet surtout euh, de délivrer des diplômes. Euh, qu'on appelle profanes, c'est-à-dire les mêmes diplômes que ceux qui sont délivrés dans les universités. Donc on crée une concurrence au sein de l'enseignement supérieur en renforçant les établissements publics catholiques, euh, privés pardon, catholiques, euh, au détriment des établissements publics. Voilà un, deux exemples d'un de, écran de fumée euh, derrière lequel se glissent euh, des euh, réformes que je trouve euh, inacceptables. D'abord, ce que je pense, c'est qu'on a sous-estimé la force idéologique de l'équipe de Sarkozy et son organisation méthodique. Euh, effectivement, je ne sais pas si c'est le président Sarkozy lui-même qui était à la manœuvre à l'époque, mais ce que je suis, selon je suis convaincu, et encore une fois, ça m'est apparu à la lecture de toutes ces lois, de ces innombrables lois votées pendant le, le quinquennat euh, dans, une, dans une sorte de prurite législatif euh, monumental, qui fait qu'on n'arrivait même plus à suivre. Et je vous rappelle que notre démocratie repose sur un principe simple, euh, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Or, tout le monde ignore ces lois puisqu'elles sont absolument euh, innombrables et, et elles, elles changeaient en permanence. Donc, il y a derrière, tout ça n'est pas le fruit du hasard, il y a derrière un certain nombre d'acteurs qui travaillent et qui raisonnent sur la manière de faire accepter les textes. Et la manière de faire accepter les textes, c'est parfois, c'est l'exemple que vous donnez sans le citer sur le travail dominical, euh, c'est euh, parfois d'avoir des intitulés qui vont égarer ou qui vont affaiblir. Euh, précisément les principes auxquels les gens sont très attachés. Et vous savez, on pourrait prendre l'exemple également en, en matière de réforme hospitalière. Euh, une, une réforme qui fait, je crois, 47 pages du journal officiel. Je mets au défi, non pas un homme normalement constitué, mais un juriste normalement constitué, de se, de se lire ce type de loi. C'est absolument inhabitable. Et en plus, ça fonctionne par envoi, donc on ne s'y retrouve pas. Donc il y a une volonté d'occultation qui est manifeste. Eh bien, dans ces textes-là, dans le texte sur, le, sur la réforme euh, euh, des établissements de santé, il y a aussi une atteinte assez forte euh, à des principes euh, jusqu'ici républicains, et notamment de présence des fonctionnaires dans ces établissements. La loi doit encadrer, absolument, euh, doit encadrer la négociation collective et que je ne crois pas que le fort et le faible, mais ça c'est une position politique majeure, que le fort et le faible puissent discuter d'égal à égal dans une, dans une négociation, euh, surtout quand il s'agit de la rémunération du faible. Non, là-dessus vous avez raison, mais là vous, 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 en même temps vous pointez les origines sociales des uns et des autres, euh, alors que moi je vous parle euh, d'une hiérarchie des valeurs dans la réussite. Euh, C'est pas tout à fait le même sujet. Moi je suis le premier à déplorer que effectivement dans les grands corps de ceux qui administrent notre État il n'y a pas suffisamment de représentants, pas d'ailleurs seulement des ouvriers, parce que les ouvriers sont un, euh, ou des classes sociales disons euh, basses, euh, mais plus généralement d'une diversité. De profil et d'une diversité de cultures. Par exemple, la culture de l'entreprise n'est pas du tout présente dans les, dans les grands corps de, de l'État. Et, et probablement, c'est aussi une des explications des difficultés que rencontre notre pays. Donc, euh, évidemment, il y a toujours eu cette difficulté d'accès aux au grands corps. Mais là, ce dont on parle, c'est autre chose. Et je me permets d'insister, parce que je considère, en tout cas, c'est l'analyse que j'en fais, que cette espèce de monstration, Permanente d'un certain nombre d'éléments de, euh, de, 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 de richesse, d'incarnation de la richesse. On se souvient des Reba, on se souvient de l'épouse top modèle, on se souvient de toute une série de choses, n'est pas seulement de la vulgarité. C'est la volonté de remplacer des, les, les valeurs références de la France par d'autres valeurs qui sont celles de l'exhibition de la réussite parce que la réussite, ce n'est que l'argent. Et c'est là où, à mon avis, il y a une substitution, une substitution euh, des valeurs de la République. Non, pas du tout. Je ne pense pas du tout que ce soit moins respectable. Je dis simplement que, d'une part, ce n'est pas notre culture, euh, et d'autre part, le euh, euh, président Sarkozy n'avait pas été élu pour ça. C'est tout. Je, moi, ce que j'essaye de montrer, c'est en quoi il y a une pensée politique construite qui repose sur un certain nombre de bases idéologiques extrêmement solides. Euh, et simplement, ce c'est pas les nôtres. Elles peuvent se défendre, elles peuvent même servir de programme politique, mais c'est pas ce qui a été prévu, c'est pas ce qu'on nous a dit, c'est pas ce qu'on nous a vendu, et c'est pourtant ce qu'on a tenté d'appliquer. Et si, ça, si le président Sarkozy n'a pas été réélu, c'est précisément parce que la greffe n'a pas prise. C'est tout à fait juste et je ne pense pas que ce soit contradictoire. Quand je dis justice de riche, ce n'est pas une justice qui est euh, clémente avec les riches. Ce n'est pas ça que j'ai voulu dire. Justice de riche parce qu'il faut être riche pour se défendre. Vous prenez l'affaire des SK, l'employée en question n'avait évidemment aucun revenu, mais elle avait d'autres formes de richesse, et sa richesse principale était d'ailleurs ce qu'elle allait probablement, potentiellement, obtenir à terme, ce qui lui permettait de financer euh, sa défense. C'est une justice de riche parce qu'on le sait, dans le système américain, euh, le, 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 le pauvre euh, sans défense, sans moyens, et va être broyé par la machine. C'est un système accusatoire, euh, et moi je considère que ce système ne doit absolument pas être transposé en France. Je suis très favorable au système inquisitoire, même s'il a des défauts, et je reconnais qu'il a des, des défauts. Mais on le voit aujourd'hui, notamment dans les affaires politico-financières, dont j'ai le sentiment que vous voulez me parler, euh, également, on le voit, s'il n'y avait pas juste d'instruction, il n'y aurait pas ces affaires. Pourquoi l'État, qui a le temps, va accélérer une procédure et donc, en ce sens, favoriser la personne qui lui est opposée, qui est en l'occurrence une personne mortelle Malheureux, mais c'est comme ça, quel que soit l'adversaire, en l'occurrence, Bernard Tapie, est mortel comme chacun d'entre nous, hélas. Eh bien, euh, d'une certaine manière, l'État court-circuite sa propre immanence et la question qui se pose, c'est pourquoi l'a-t-il fait L'a-t-il fait pour favoriser la partie qui lui est opposée C'est, je pense, euh, la l'hypothèse la plus vraisemblable sur laquelle travaillent les juges d'instruction aujourd'hui. C'est une très bonne question, là encore, je vous félicite. Euh, J'ai fait beaucoup d'interviews sur cette affaire et on ne m'a jamais posé des questions aussi euh, intéressantes. Euh, je répondrai sur deux, de deux manières. Je dirais d'abord que ça représente une certaine époque. Cette affaire tapis, c'est 20 ans d'histoire politico-financière de la France. Ça commence en 1992 et on est en 2013. Bon, euh, et euh, la, la durée de cette affaire s'explique par les complaisances, sinon les complicités euh, politiques, de gauche comme de droite, pendant toute cette période, et tout le monde le sait aujourd'hui. Euh, cette affaire est représentative d'une certaine forme de déliquescence de nos institutions pendant 20 ans. Ça, c'est absolument certain. Le deuxième point, c'est que Bernard Tapie n'est pas le problème dans l'affaire. Euh, je le dis depuis 5 ans. Le problème n'est pas que Bernard Tapie ait voulu aller à l'arbitrage. Bernard Tapie, c'était son intérêt d'aller à l'arbitrage. Il, il avait une urgence de vouloir résoudre ces, ces litiges par la voie de l'arbitrage. Le problème, c'est pourquoi l'État, qui était très favorablement euh, orienté dans la procédure judiciaire classique, a tout d'un coup décidé d'écarter la procédure judiciaire classique au profit de cette justice privée qui n'est pas du tout adaptée à ce type de litige. C'est sans précédent dans l'histoire de l'arbitrage. Enfin, quand je dis tout d'un coup, ce pas tout à fait exact, et ça me permet de faire un point de transition avec le point suivant. Pas tout d'un coup, il a fallu que Nicolas Sarkozy soit élu. Euh, et c'est ça le fait marquant, parce que le ministre des Finances précédent, c'est-à-dire Thierry Breton, a refusé de résoudre ce litige par la voie de l'arbitrage. Élection de Nicolas Sarkozy, et puis les ministres des Finances qui vont se succéder en moins d'un mois, c'est-à-dire Jean-Louis Borloo et euh, Christine Lagarde, prennent la décision de trancher ce litige par la voie de l'arbitrage. J'ai employé le terme illégal et j'ai même ajouté frauduleux frauduleux au sens civil. Effectivement, à partir de ces deux termes, Bernard Tapie en a pris ombrage et euh, il m'a attaqué en diffamation et il s'est retiré et je l'ai attaqué moi, à ce moment-là, en abus de constitution de parti civile. C'est absurde parce que moi je n'ai rien contre Bernard Tapie que je ne connais pas, que je n'ai jamais euh, je n'ai jamais même rencontré et, euh, et encore une fois, dont je dis partout qu'il n'est pas le problème. Bon, mais cette procédure s'est terminée, on n'en parle plus. Illégal, je peux vous l'expliquer très simplement, euh, D'abord, je peux vous dire que tout le monde le savait. À Bercy, au moment où la décision a été prise de recourir à l'arbitrage, toutes les études juridiques qui avaient été menées, aussi bien en interne par les services de Bercy, la, la direction des affaires juridiques, euh, l'agence des participations de l'État, etc., etc., que les études qui ont été menées en externe par les avocats, tout le monde avait dit, en l'état du droit français de l'époque, c'est-à-dire de l'article 2060 du Code civil, le CDR, c'est la structure de défaisance qui remplaçait le Crédit Lyonnais, n'avait pas le droit de recourir à l'arbitrage. Tout le monde le savait si bien qu'en février 2007, euh, les gens l'ont oublié, mais il y a une tentative de faire passer un amendement dans la loi sur les tutelles pour précisément valider euh, ce type d'arbitrage euh, pour les personnes morales de droit public euh, comme le PFR et euh, le CDR, sa filiale. Euh, et cette loi est votée. C'est un cavalier législatif, il est voté et il va être invalidé le 1er mars 2007 par... Le, le Conseil constitutionnel, présidé à l'époque par Pierre Mazot, qu'on va retrouver huit mois plus tard comme président du tribunal arbitral dans cette affaire. Vous savez, il s'en est tenu à un cheveu que cette affaire euh, s'arrête et à de multiples reprises. Le 28 juillet 2007, quand la ministre des Finances annonce qu'elle ne fera pas de recours contre la sentence, tout le monde pense que c'est terminé. Euh, et que l'affaire est terminée, euh, de, 28 juillet 2008, pardon. Euh, ensuite, il y a les auditions devant la commission des finances, puis ces auditions ne débouchent pas sur une commission d'enquête, donc on pense que c'est terminé. Après, il va y avoir la cour des comptes qui va saisir du dossier et qui va euh, rendre un rapport absolument accablant sur les conditions de cet arbitrage, mais il ne se passe rien. Et puis, ce qui s'est passé, c'est deux choses. C'est d'une part que le procureur général près de la cour de cassation, a saisi la Cour de justice de la République dans un réquisitoire extrêmement sévère euh, sur le fondement du, du rapport de la Cour des comptes. Donc la Cour de justice va être saisie. Il va y avoir des manipulations dans tous les sens pour éviter qu'elle se prononce, pour éviter qu se, que la commission d'instruction, euh, effectivement, enquête sur euh, Mme Lagarde, puisque c'est d'elle dont il s'agit uniquement devant la Cour de justice de la République. Et puis le deuxième événement qui va se produire, c'est pas un secret, c'est l'alternance politique. Pourquoi l'alternance politique a permis d'accélérer les choses Alors on pourrait se dire, ben parce que tout d'un coup, on a des juges qui travaillent aux ordres et euh, cette affaire embarrasse le pouvoir précédent. En réalité, c'est exactement le contraire. L'alternance politique, c'est que les juges qui ne pouvaient pas travailler sous le régime précédent peuvent enfin travailler et le 18 septembre 2012, de, euh, le, le, le procureur de Paris a converti son enquête préliminaire en information judiciaire, trois juges d'instruction ont été nommés et maintenant ils enquêtent et quand ils enquêtent, ils trouvent des résultats. Oui, oui, c'est plus que ça. Hein. J'ai été son, son directeur de toute la période de la pré-campagne. Mais je suis proche d'autres ministres du gouvernement, je suis proche de la gauche, disons-le. Je crois qu'il y a un point que personne ne conteste. Euh, en tout cas, personne de censé ne conteste, c'est que la justice est redevenue indépendante depuis que François Hollande a été président la, élu président de la République. Ça, je crois que c'est très clair. Sous Nicolas Sarkozy, elle essayait de l'être, mais elle avait beaucoup de mal, et en particulier le parquet, et notamment ses représentants les plus, euh, les plus emblématiques, euh, ont été, euh, et d'ailleurs ont connu des difficultés, euh, On n'était euh, absolument aucune indépendance à l'égard du régime en place. Bon. Euh, donc je crois que ça, c'est incontestable. En tout cas, vraiment, pour l'instant, d'abord, ce n'est pas le cas. Et puis, euh, vraiment, je le souhaite, parce que si la gauche faisait euh, aussi mal que la droite, ce serait à désespérer. Euh, et il me semble que la magistrature, et d'une manière plus générale, le monde du droit, a été probablement un de ceux qui a été le plus offensé. Par le quinquennat Sarkozy qui a méprisé le droit avec ses lois à répétition, qui a maîtrisé les magistrats en les traitant de petits pois, euh, qui a méprisé les magistrats avec les peines planchées, etc., etc. Donc le monde du droit euh, avait besoin de respiration et cette respiration a été offerte par François Hollande euh, qui, a, qui, je crois, ne contrôle absolument aucune enquête et qui a une vision tout à fait indépendante de la justice. Vous savez, j'ai participé euh, à la campagne de François Hollande, notamment avec le sénateur André Valigny euh, sur les questions de justice, puisque c'est lui qui a théorisé le programme de François Hollande sur les questions de justice, et qui, était, euh, qui est parfaitement au fait de ces questions qu'il connaît depuis des années, qui connaît par cœur la magistrature et les milieux judiciaires de manière générale. Je crois que l'indépendance de la justice n'était pas un, seulement un slogan, c'était une, une, une volonté, une, une conception chevillée au corps. Pour rétablir la justice dans ses droits, la justice c'est le troisième pouvoir, même si la Constitution ne le dit pas. Nous avions d'ailleurs dans le programme euh, l'idée de, de, de la baptiser euh, pouvoir judiciaire dans la Constitution et non pas seulement autorité judiciaire. Euh, et je crois qu'aujourd'hui c'est incontestable. Alors on peut toujours dire de l'autre côté, comme je l'entends d'ailleurs dire à mon égard, c'est euh, ce sont des gens de gauche, euh, c'est une politique de gauche, c'est euh, des magistrats de gauche. Euh, je crois que d'abord la magistrature n'est pas euh, fondamentalement à gauche, le syndicat majoritaire. Qui s'appelle l'USM est un syndicat euh, modéré, neutre sur le plan politique. Euh, alors évidemment, il a contré, il a contrecarré les plans euh, de du, 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 la mandature Sarkozy. Il a résisté, il a fait un travail de résistance euh, exemplaire. Mais ce n'est pas parce qu'il résistait au sarkozisme que pour autant il était de gauche. Il a résisté au sarkozisme par esprit de républicain. Il y a toujours des gens qui sont là pour vous menacer, euh, publiquement ou, ou pas publiquement. Euh, quand on prend des positions publiques, c'est un risque qu'on encourt. Je crois que c'est inévitable. Euh, c'est comme ça. C'est dommage, mais euh, c'est comme ça. Euh, Arnaud Montebourg est un de mes amis. Euh, je travaille plus avec lui depuis la fin de la primaire et, euh, et donc euh, il a son destin euh, j'ai le mien euh, et je ne pense pas si je vous donne mon sentiment que son destin le porte vers le ministère de la justice euh, je pense qu'il est très attaché à sa fonction à l'industrie euh, qu'il le vit de manière personnelle intime euh, il est habité par ce combat comme il a toujours été par ses différents combats et euh, s'il doit y avoir un remaniement et que si, si l'actuel titulaire de la charge de garde des sceaux euh, devait quitter cette charge, je ferai plutôt le pronostic que le prochain garde des sceaux sera André Vallini Ah ben on verra s'il me propose de l'accompagner. je ne sais pas quelles sont ses intentions mais euh, et puis vous savez, moi je ne suis pas sûr d'avoir euh, nécessairement envie de rentrer dans une administration. j'aime bien euh, l'esprit libre. Et ce livre en témoigne.